Yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va super parce que c'est jour de match et le jour de match ça va bien, sauf quand on perd, mais bon ça on sait qu'à la fin du match. Pour l'instant ça va. Le Racing Club de Lens aujourd'hui affronte l'Estac 3, donc on se retrouvera au stade comme d'habitude. En plus aujourd'hui c'est à guichet fermé. J'avoue, je suis un peu étonnée que pour Lens 3 c'est à guichet fermé alors qu'il y a eu des plus belles affiches que ça et c'était pas à guichet fermé. Bon, après on verra bien comment ça se passe là-bas, mais normalement il n'y a plus de grève de supporters, donc l'ambiance elle devrait être au rendez-vous et ça devrait être le feu dans toutes les tribunes. Ensuite, regardez, aujourd'hui je fais l'intro dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en retard. Mais c'est surtout parce que le match c'est à 21h, coup d'envoi 21h. Deux absents du côté du Racing Club de Lens, Jean-Louis Léka suspendu et Deiver Machado qui a un petit problème à son genou, je crois que j'avais vu ça. Du côté de l'Estac 3, il y a plusieurs absents, j'ai pas retenu la liste. Hein. Moi je regarde sur Flashcore les absents, etc. Et il y en avait au moins 7, du coup j'ai pas tout retenu. Je sais pas si c'est des titulaires indiscutables ou pas, mais je pense pas que ce soit tous des titulaires indiscutables. Donc j'espère que ça va bien se passer, que ça va être un beau match, surtout qu'on va gagner. Hein. Et puis je vous dis à tout de suite au stade. Là, moi je vais me changer. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. On se retrouve au stade. Ah oui, j'avais encore une petite chose à vous dire. En ce moment, il pleut beaucoup. Donc j'espère qu'il pleuvra pas au stade parce que sinon je pourrais pas filmer vu que je suis au premier rang. Moi je me mange toute la pluie. Normalement je suis pas au premier rang mais pour voir, moi je préfère être au premier rang. Du coup, c'est possible que s'il pleut il n'y ait pas beaucoup de vidéos. J'essaie de faire le mieux possible et aussi c'est la première fois que je fais un vlog le soir. Après le stade il est éclairé mais j'espère que le rendu il va être bien parce que déjà que je filme avec mon téléphone la qualité elle n'est pas toujours au top. Mais en plus que là il fera noir, je sais pas si ça va bien rendre. C'est juste pour vous prévenir au cas où, mais normalement il devrait pas pleuvoir parce qu'il a fait du soleil toute la journée, il fait juste un petit peu froid, mais bon c'est dans le nord, on est habitué. Hein. J'espère que la vidéo elle va vous plaire comme d'habitude, j'adore quand vous commentez, que vous aimez les vlogs, etc. J'essaye de répondre vraiment à tout le monde à chaque fois. J'espère encore que je vais croiser des abonnés au stade, j'en croise tout le temps en ce moment. Aussi ceux qui osent pas venir me voir, venez hein, vraiment, hein. Moi ça me dérange vraiment pas parce que des fois j'ai des messages sur Instagram, mais je t'ai vu mais j'ai pas osé venir. Il faut venir, moi ça me dérange pas du tout. Après c'est pas comme si vous m'empêchez de voir le match, etc. Genre c'est juste pour une photo ou quoi. Du coup bah on se retrouve au stade. Allons, on va au McDo avant de commencer le match. Premier match pour Sohan, premier match pour Mila. Bon, on est arrivé. Pourtant, Lens, ils vont gagner combien? 3-0. 3-0. Toi, ils vont gagner combien, Lens? Je sais pas. Moi, je dis 2-1. Bon, je suis pas première aujourd'hui, mais je suis dans les premières, ça compte aussi. Elle est ici, la relève de Bola. Et le numéro 22, double buteur dans la dernière rencontre ici à Bola, c'est Wesley! Salut!
capitaine de cœur de cette équipe, c'est Yannick. Le roi de Saint-Louis, 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 le roi de
Déjà 3-0, c'est déjà bien. Putain, j'ai cru. Déjà 3-0 à la mi-temps, c'est un truc de fou. J'espère qu'on va encore en mettre beaucoup plus en seconde période. Alors, plus. En tout cas, moi j'ai trouvé l'ambiance incroyable. Les ultras n'étaient plus en grève, ça s'est vu parce que c'était le feu dans toutes les tribunes. Le match était incroyable, 4 buteurs différents.
Nos deux latéraux, Wesley Saïd encore buteur, Kalim Wendo encore buteur, c'est incroyable. Jonathan Clauss qui nous livre encore deux caviars. Didier Deschamps, regarde-le, il mérite sa place en équipe de France. C'est un truc de ouf, ça. Quand je vois pas sélectionner, ça me rend dingue. Pour moi, après, c'est mon avis, hein. Mais je trouve qu'à la place de sélectionner Léo Dubois et Benjamin Pavard, il devrait sélectionner Mukiele et Clauss. Franchement, ça serait beaucoup mieux, je trouve, parce que je les trouve pas ouf, ces deux joueurs-là. Mais bon, après, ça reste mon avis. Didier Deschamps, c'est lui le sélectionneur, c'est pas moi. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi ou si pas du tout, vous pensez que Pavard et Dubois ont leur place en équipe de France. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Après, je suis pas non plus spécialiste, mais on est beaucoup à avoir cet avis et je trouve que Jonathan Clauss a sa place en équipe de France. Sinon, bah les buts, ils étaient incroyables. L'ambiance, c'est un truc de fou. Je me répète tout le temps, mais c'est parce que vraiment, si vous n'avez jamais été au Stade Bollard de votre vie, il faut y aller. Hein. Vraiment, c'est un truc à faire. Vous serez pas déçus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé encore une fois. Mon petit cousin qui est venu pour la première fois, il a adoré aussi. Ma nièce, pareil. Franchement, c'est un truc de fou. Emmenez votre famille au stade. Ils vont kiffer. Ils vont venir après. Ils vont venir tout le temps. Mais n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter. Comme d'habitude, vous abonner, ça fait super plaisir. Merci encore à vous de me suivre. Et au prochain vlog.